Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Plat de A à Z. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous le voyez, pas dans ma cuisine mais dans ma chambre, pour faire la rétrospective de l'année 2020 et un bêtisier, histoire de rigoler un peu. Mais avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter à tous une très bonne année, que tous vos vœux se réalisent, que vous passiez de bons moments avec votre famille, vos amis, etc. Et on espère que cette année 2021 sera meilleure que celle de 2020. Ma première vidéo de cette année, c'était la recette du cake au citron, quoi de mieux pour un goûter entre amis avec son super glaçage par-dessus. Et ensuite vient la recette de la sauce tomate, quoi de mieux que pour accompagner vos pâtes avec un petit peu de parmesan, c'est parfait. Troisième recette de l'année, c'est la recette des fameuses gaufres de la série Stranger Things sur Netflix, c'est les gaufres Eggos. On poursuit avec la recette des cookies au chocolat. Puis vient ma collaboration avec la marque de cola suisse Vivicola. J'ai dégusté toutes sortes de produits qu'ils proposent. Encore merci à eux, c'était génial. Puis vient ma vidéo spéciale pour Halloween intitulée Halloween dans ton assiette. Et c'était en fait des momies à la façon pizza. On poursuit avec la recette de la soupe à la courge. C'est parfait pour un dimanche un peu froid d'hiver, une bonne soupe à la courge devant la télé avec des croûtons. Puis vient ma dernière recette de l'année, c'est celle du thé froid. Quoi de mieux qu'avec quelques petits glaçons? Plutôt en été qu'en hiver, après tout, pourquoi pas en hiver? Mais avant de passer au bêtisier, j'aimerais vous remercier infiniment pour cette année 2020, même si elle a été un peu mouvementée et pas comme prévu à cause de la pandémie. J'aimerais quand même vous remercier, on a passé le cap des 300 abonnés, j'ai gagné plus de 130 abonnés cette année. Donc merci à tous, je vous donne rendez-vous en 2021 pour, j'espère, un peu plus de contenu. En tout cas, merci de m'avoir suivi, et maintenant, on regarde le bêtisier. Et donc, si vous voyez qu'elle est un petit peu trop épaisse comme... Et donc, si vous voyez qu'elle est un petit peu trop épaisse comme ici, vous pouvez rajouter de l'eau. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que... La prochaine vidéo... était en thème, aussi à mettre un petit commentaire dans la description. Pas dans la description, le commentaire. Donc voilà, j'ai reçu cette caisse de la part de la marque. Puis on vient le mettre au frigo. N'hésite pas à liker, partager la vidéo et me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que tu as aimé le bêtisier. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et à la partager à tous tes amis, ta famille. Moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, encore une fois, bonne année. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Ciao !